Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Je suis Ludovic Tenez, je travaille en STAPS à l'Université de Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de respiration alternée. Le but de cet exercice, c'est de calmer le mental en 2 minutes. C'est un beau défi. Ensuite, avant de commencer, on va essayer de retrouver une position assise la plus confortable possible. On va rechercher le dos bien droit. On l'appelle la respiration alternée, puisqu'on va alternativement respirer par la narine droite puis par la narine gauche. Comme moyen, j'utilise uniquement ma main droite par tradition, plus précisément le pouce, la pulpe du pouce et la pulpe de l'annulaire pour obstruer les narines. Je vais vous faire une démonstration. La chose la plus importante, il faut se focaliser, c'est qu'on va changer uniquement à la fin de l'inspiration de narine. Ensuite, premier objectif, je vais égaliser l'inspire et l'expire. Donc ma main doit directement monter et descendre à peu près au même rythme et pendant la même durée. Deuxième objectif, c'est de tenir 2 minutes, sinon l'exercice n'a pas beaucoup d'efficacité. Tenir 2 minutes, c'est se concentrer, donc fermer les yeux. Il faut aussi éviter de s'essouffler. On a un secret pour ne pas s'essouffler. Il faut forcer un petit peu plus sur l'expiration. C'est l'expiration forcée. Ensuite, l'objectif 3 sera bien sûr d'allonger progressivement la durée de l'inspire et de l'expire, tranquillement. Pour les débutants, pour les publics particuliers, pour ceux qui seront en difficulté sur ce premier exercice, on va travailler d'abord sur une narine, tranquillement. Expire, inspire. Simplement. Je vous souhaite une bonne pratique, un petit peu tous les jours. Demain, le soleil se lève.